vous en trouverai pas d'autres comme ça. Voilà. Robe de chez Action. Vous n'en trouverez pas. Hein. Elle est unique. Hein. Elle a été faite avec du sac plastique, mais doublé, un boulot de titan. Hein. C'est ma mère qui me l'a fait. Voilà. Donc, avec Miss Action. Parce que à l'époque, j'avais beaucoup à Action. Et donc, du coup, je vais vous montrer. Ok? Vous êtes prêts? Je vous montre. Attendez, parce que je tiens quand même la robe. Parce qu'en fait, j'ai maigri. Alors, comme j'ai maigri, il faudrait que je la serre plus que ça, mais je peux pas. Sinon, je vais la casser. Parce que j'ai des petits nœuds, mais je comprends pas comment. J'ai acheté un trépied qui ne sert à rien du tout parce qu'on ne voit rien. Si, peut-être, attendez, comme ça. Voilà. Hello, la 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 la. Alors vous savez où je vais? J'ai Action. Allez, on y va. Je vous emmène. Alors, je suis allée chez Action. D'abord, j'ai acheté quelque chose de très loin. Mais par contre, je me suis fait super mal avec mon trépied. Regardez. Je vais m'en acheter un autre. Attendez. Bon, là, on verra après. Tout d'abord, j'ai acheté ceci. J'ai payé 2,99. Eh ben oui, moi, je ne sais pas pourquoi, mais les non nécessaires, pour moi, étaient ouverts. Enfin, voilà, j'ai eu la chance d'avoir des trucs qui étaient non nécessaires et je suis trop contente pour ça. Voilà, donc, j'ai eu ceci. C'est top. C'est un tapis de table. C'est un chemin de table. C'est pour aller avec ma table... Mes décos Noël, vous savez très bien que moi je fais beaucoup de décos Noël. Énormément. Et du coup, je vous montrerai. Ensuite, j'ai pris ce plaid. J'avais qu'une hâte, c'était de l'ouvrir pour le mettre sur mon canapé. Mais il fallait que je vous le montre. Voilà. J'ai pris ce plaid-là. Alors, il fait 1m40 par 1m80. Je pense que ça va aller. Ça fait 1m80. Regardez, ouais. C'est un peu petit, mais bon. Je vais quand même pas les changer parce que j'en avais acheté un beau l'année dernière, vert, et j'aurais dû le garder. Et il était juste. Ben là, celui-là, je m'en fous, il ne sera pas juste. Je vais le mettre sur mon canapé. Je l'ai payé 6,90. C'est exactement la même matière que mon. Je ne sais pas si vous vous rappelez. D'ailleurs, ils ont dû copier. Hein, parce que ça, c'était Carrefour l'année dernière. Regardez, c'est le même modèle. Et ça, par contre. C'est, je ne sais pas si vous connaissiez, c'est un plaid à manches, mais il est de l'année dernière. Voilà, c'est un plaid à manches. Je m'en sers tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, j'aurais aimé trouver gris comme ça, mais je n'ai pas trouvé. Mais bon. En ce moment, le fait d'être enfermée chez moi, confinée, eh bien, je fais pas mal de bêtises. J'ai acheté un autre arbre à chat. Mais cette fois-ci, il fait 80 cm et il fait 56 cm de coussin. Ensuite, oh, mais j'ai oublié. J'ai oublié la 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 la. Bon bref, comment je tarbais la Sibylle. Quand j'ai pas de vertige, ça va. Hein. Et après, quand j'ai des vertiges, je ne vais pas. Alors, j'ai trouvé une paquette de moto Amazon de Cunard avec un bête sur le dos. Voilà. J'ai trouvé des planches à découper. Non, des planches pour manger en bambou. Vous voyez, vous pouvez mettre la charcuterie ou vous pouvez mettre tout simplement le jambon. J'ai payé 2,99 et franchement, trop contente. Vous pouvez, si vous faites une pierrade ou alors une plancha, et ben vous mettez ça dessus. C'est génial. J'ai cassé quelque chose, non, j'ai rien cassé. Ensuite, j'ai repris mes gobelets. 1 €. Un peu plus d'un euro. 1,49 €. Franchement, ils sont chers, hein, mais bon. C'est des gobelets en carton, ils sont très très bien. Moi, je me demande même si ce n'est pas des recyclables. Gobelet, pas père cher, non. Il y en a 50. J'ai trouvé ceci, 79 centimes.
Mignon, les petits chocolats. Ah oui, j'ai acheté autre chose aussi, mais ça, je l'ai acheté à Monoprix. Ah, c'est trop mignon. Mais je peux pas, parce que là, après, on va faire un petit peu. 79 centimes. Trop choupi. Trop bon. Trop choupi, n'importe quoi. Trop bon. Vraiment, les petits gâteaux moelleux sont super bons. Mais j'en ai pris qu'un paquet. Ça, j'ai payé ça 2 euros. Alors, ce sont des chocolats. C'est pour Yannick, hein, c'est pas pour moi. Hein. Ce sont des chocolats comme ceci. Franchement, ça doit être super bon. J'ai pris des sucres de canne pour mettre dans mon sapin. Je les ai payés 1 euro, même pas, 79 centimes. Pour mettre dans mon sapin, tout simplement, parce que je pense que ça va faire joli. J'ai trouvé ceci. 79 centimes. Ah ouais, mais j'ai fait le haul. Vous avez vu quand je parlais avec la dame, la dame, elle avait pris ça aussi quand j'ai fait le vlog. Eh bien, ça, c'est 79 centimes. Franchement, très bien pour les brosses à dents. Je vais changer le mien. Je l'avais déjà acheté chez Action. L'avantage, c'est que c'est pas cher, Action. Donc, 1 euro. Franchement, on peut le changer même tous les ans, quoi. Voilà, ça m'évite. Voilà, en plus, je trouve que c'est sympa, un peu du bois, bambou, là. Ceci, 79 centimes, des petits chocolats. Miam, 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 miam. Alors ça, bah, c'est pour mettre mes torchons. C'est vrai que les yeux, c'est expressif. Hein. Vous avez vu ? Je vais tomber là. Voilà, 79 centimes. Alors, c'est tout simplement des crochets de suspension adhésif pour mettre tout simplement ouais, mes torchons. On peut mettre d'autres choses, mais voilà, moi, pour 99 centimes, pardon, excusez-moi. Je sais pas pourquoi j'en ai. Et... les piles, alors là, j'ai pas compris. Partout, elles sont à 1,79. Je les ai payées 1,49. Alors là, je n'ai absolument pas compris pourquoi 1,49 des piles. Tant mieux, hein, franchement, tant mieux. Et puis, j'ai l'intention de faire de la cuisine. Alors, je suis en train de chercher un trépied. Je viens d'acheter celui-là, j'ai une blinde. Enfin, une blinde, ouais, j'ai payé cher quand même. Et je cherche un autre trépied. Alors, mon fils m'a dit, qu'est-ce que tu veux, maman, à Noël? Alors, je lui ai dit que je voulais un trépied. Après, je lui ai dit que je voulais autre chose, je ne sais plus. Je ne sais plus. Quelque chose dont je ne me rappelle même plus ce que je voulais. Bref, il m'a demandé, je lui ai envoyé. Je lui ai envoyé, je ne sais plus. Mais en tout cas, je voulais un trépied. Puis après, je me suis dit, non, je vais me l'acheter moi-même. C'est trop compliqué. Et ça, voilà, c'est pour faire ma petite cuisine. Alors, j'aurais aimé des tout petits bols. En fait, ce qu'il me faut, c'est un trépied. Qui fasse par-dessus, vous voyez, comme ça, qui fasse par-dessus. Je pensais que celui-là, il le faisait, mais pas du tout. Et en plus, je me suis fait mal. Hein. Bon, bref. Voilà, et action, réaction. Alors, pour finir... on va faire une danse. J'aime pas. Oh oh la la. Mes chouchous, bidou à moi. Je me déshabillerai pas devant vous. Mais vous voyez, il y a deux petits nœuds. Et c'est une vraie robe de chez robe. Regardez. J'avais le chapeau marqué action. Mais bon, après, à un moment donné, il faut se dire, Sybille, basta tes conneries. Hein. Alors, j'ai oublié de vous montrer. Alors, ça, c'est une tuerie. C'est le number one du number one. Je l'ai payé 24,90. C'est une plancha. Elle est trop bien. Elle est en bambou. Elle est vraiment trop, trop bien. Regardez ça. Et maintenant, je vais vous la montrer. Voilà, elle est comme ceci. Ici, vous avez pour la sauce. Pour... voilà, là vous avez la prise et là vous avez la plancha. Et du coup, ce que je vais faire à peu près, je vais essayer de retrouver une vitrocéramique, juste une plaque, et que je vais peut-être racheter pour le mettre dedans en fait, parce que c'est un socle, hein, ni plus ni moins, regardez. Vous pouvez vous en servir, hein, mais pour autre chose même, regardez. Regardez, et quand vous pensez que ça coûte presque 40 euros, un truc comme ça, et là, vous l'avez à 24,90 avec la plancha, eh bien, je vais aller m'en racheter une autre et je mettrai ma plaque vitrocéramique dedans. Voilà, je vais faire ça. Je vais regarder, je vais calculer, je vais regarder à peu près et je vais faire ça.
Voilà, et bien sur ce, je vous dis I love you, ich liebe dich, te quiero, ti amo. Allez, on reste avec les fruits. Et puis merci les bains parce que c'est un petit coucou à ma pinquette adorée. Je t'aime ma chérie. Et merci à Chris qui m'a fait le montage parce que je n'y suis pas arrivée. C'était la cata de chez cata. J'avais tout mis à l'envers. Bon, ben j'espère que ça vous a plu parce qu'il faut s'amuser. Faut rigoler avant que le ciel nous tombe sur la tête. Et croyez-moi, il est bientôt prêt. Sur ce, je vous embrasse. Je me suis maquillée. J'ai rien mis. J'ai mis juste du crayon noir, c'est tout. Voilà. Bon, j'avais bien la pu. Et puis du crayon noir, c'est tout. Mais c'est marrant parce qu'on dirait toujours que j'ai les yeux maquillés, mais pas du tout. Sur ce, je vous embrasse très fort. Et je vais vous montrer un petit truc. Je ne sais pas si je vais arriver à vous embrasser pour vous dire au revoir. Je vais vous montrer un petit truc. Ça, je me suis dit, un jour, mon prince viendra. Mais en fait, j'ai compris que j'en veux pas. Ça, c'est un joli cadeau de mamie Corinne qui m'a fait pour mettre mes bagues il y a très longtemps. Et je voudrais, si vous voulez, ben, vous pouvez vous abonner à mamie Corinne parce qu'elle est formidable. C'est quelqu'un comme ça. Et ça, c'est au cas où s'il regarde. Tachito, j'ai toujours ta tour Eiffel. Voilà, sur ce, cette fois-ci, c'est... Bye, I love you, je t'aime juste, t'es qui est là, t'y abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Ah, et on est de plus en plus nombreux, je vous aime, I love you.